et mes parents ont voulu nous donner des prénoms vietnamiens. Oda, c'est mon pseudo, mais mon vrai prénom, c'est Dao. Oui, je me suis pas trop cassé le cul pour le pseudo, j'ai juste mis le nom à l'envers, mais en même temps, j'avais que 3 lettres. Hein. Avec Dao, j'avais pas non plus 15 options. J'avais Oda ou Wad. Hein, un peu bizarre. Alors remarque, j'aurais peut-être fait mon trou plus facilement en m'appelant Wad, mais c'était pas de bon goût. Et mes cousins, ils ont une autre problématique. C'est-à-dire que, eux, au niveau des prénoms, par exemple, le mec en famille, il va s'appeler Nam Pham Long. Arrivé au taf, il va dire « Enchanté, moi, c'est Bernard ». Il te balance une VF, le bâtard. Cliché raciste, ça marche toujours. Ça. Non, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que nous, les Asiatiques, les prénoms, on s'en bat les couilles. C'est quelque chose de totalement accessoire. C'est juste quelque chose de pragmatique, juste pour se faciliter la vie. Tu vois, par exemple, on va aux États-Unis, on prend des prénoms américains. On va en Europe, on prend des prénoms européens. On va en Afrique, on prend des prénoms européens. Hein, pragmatique. T'as bien compris que si tu t'appelles Mamadou ou Rachid, t'es bloqué à la douane. Relou pour les déplacements. Chiant.